que ça marche. Tu as vu à deux Elodie, bien sûr. Ah, question. Oh, la question des vrais. Question anonyme. Encore? Ouais. Ça, c'est une question. Je ne sais pas si c'est question d'Elodie. Ouais, c'est pas moi. Vu la longueur du texte, c'est pas moi. La place de la femme est-elle vraiment dans la cuisine? Ah, c'est moi ça. C'est toi ça? C'est une question anonyme. Moi, c'est anonyme. Anonyme. C'est quoi la place de la femme dans la cuisine? Alors, je vais répondre très simplement non, parce que l'homme peut très bien faire la cuisine. Je suis sûr que je m'attendais à un oui. En fait, le but de la question, c'est d'aller plus loin dans le sujet. C'était pas juste dire oui ou non. Bah non, mais. En fait, le débat est d'être plus loin que ça. Ouais, ok, bah, je vais aller plus loin que ça. Alors, du coup, la place de la cuisine n'est pas dans la femme. La place de l'homme est dans la femme. Alors, l'homme peut faire la cuisine. Si la femme explique tout. Non, bah après, une femme ou un homme a toutes les connaissances, toutes les compétences pour faire. Après, il y en a peut-être qui sont plus forts en cuisine que d'autres. Bon, voilà, quoi, il y a Internet, il y a des livres de cuisine, il y a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Donc maintenant, surtout qu'en plus en France, on est les rois pour la cuisine. En tout cas, on est un des pays où Les meilleurs cuisiniers sont des hommes. Ouais, on mange bien, donc en plus, c'est des hommes. Donc voilà, quoi. Donc, non. Ça, c'est parce que c'est tellement rare que du coup, on les médiatise. Non, c'est tout. Oh, comment t'as cassé? Alors, comment tu l'as cassé? Ma réponse, c'est que la femme n'a pas la place dans la cuisine. Après, l'homme peut très bien faire la cuisine, comme la femme aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas un débat. Pour moi, c'est tout à fait logique. Voilà. En fait, à la base, l'origine de la question, c'était pas forcément la cuisine, hein. c'était pour la question. T'as dû dire, est-ce que la femme de la place était dans cette... Est-ce que la femme de la place Est-ce que la place de la femme était dans, en France, voilà, de voir, on aurait exactement la réponse. Non, mais tu as raison, qu'est-ce que vous en pensez Bah, moi, je dirais Attends, laisse parler les hommes. S'il te plaît. Ouais. Je te laisse pas faire. T'es misogyne, ça, quand même. T'es misogyne, j'avoue, misogyne. Pardon. Bah, moi, je dirais que, vu l'état de la bouffe qu'elles font, il vaut mieux éviter. Mais bon, ce sont les hommes qui font cette cuisine. Oh bah, en ce qui nous concerne, nous deux, c'est plus moi qui fais à manger. Hein? C'est pas vrai. Ouais. Si. Ah ouais? Tu fais plus à cuisine, sérieux? Parce que le soir, quand on rentre du travail, moi, je vais à la douche, donc il fait manger. Mais c'est une blague. Moi, tu m'as fait faire des 3 quarts d'heure de route pour te le faire cuisiner un steak. Oui. J'ai faim. Est-ce que tu peux venir me faire à manger? Oui, c'était ça quand même. Mais je continue de le faire. Hein. Oui, j'ai fait ça. Je vais me faire marrer. Mais t'es immonde. Bah quoi? Après le boulot, je finis à 21h. J'allais chez lui pour faire à manger. Depuis quand? Je t'ai pas demandé de me faire un gâteau. Hein. Ça, j'ai demandé à Valérie. Je suis sidérée. C'est vrai qu'il m'a aussi appelé pour faire une tarte au thon. Elle s'est encore filmée là ou... Une tarte au thon, il y avait des crêpes aussi. Bah oui. Bah, écoute, si je peux éviter, je le fais. C'est vrai. Mais oui. Maintenant j'ai quelqu'un qui vient manger alors. Moi le regard du temps, je vois que tu peux faire quelque chose comme ça, tu peux manger. Moi je suis éclatée du changement là, tu vois. Bah j'ai appris à faire à la cuisine et puis j'aime bien. Putain, j'arrive au même moment. Tu faisais la vaisselle après avant de partir. C'est lui qui fait la vaisselle, hein. Ah ouais. Oh merde. La cuisine m'appartient. Et encore, je venais avec... Tellement il avait l'air, à ce moment-là, je venais avec mes plats et tout. Tout était... Elle venait directement avec la maison, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Quand est-ce que tu me fais un repas? Ben non, mais moi j'ai trouvé ça très très cool d'ailleurs, enfin que tu reviennes à leur faire. Mais oui, voilà.
Voilà, voilà, voilà la vie, la femme, voilà, la place de la femme. Donc non, la place elle n'est pas vraiment la cuisine, quoi. Mais dans, non, dans, coup, dans la salle de bain, elle est au ménage. Elle fait du linge. Elle est au lit, pardon, elle est au... Après, c'est vrai que tu fais pas mal de choses derrière. Ouais, que... c'est vrai que t'es plus... Quoi parce... Elodie, elle fait pas mal de choses derrière. C'est une blague. Je sais pas si mais... Non, mais c'est vrai qu'elle gère le linge. Moi, je me pas comment. Moi, je gère les olives. Ouais, c'est bon, t'as gagné. Donc, après, c'est un partage des tâches. Si c'est une question de génération. Ouais, aussi, déjà, tu m'as pas dit tout à l'heure. Ouais, ma mère et mon beau-père, c'est ma mère qui fait tout. Hein. Mais ils sont très bien comme ça, ils sont heureux. Donc, bon, voilà. Morgane bon, bon, toi, t'es tout seul. Donc, c'est forcément, ça. T'es dans la cuisine. Mais je sais par expérience que tu cuisines bien aussi. À part toi, Dimitri, t'as pas fait. Je confirme, quand en fait c'est chorizo, c'est quoi c'est bien, c'est quoi le truc, c'est chorizo? Ah ouais, putain, c'est trop bon ça. Ah, c'est chorizo. Ah, ouais, ça. Non, mais il est pire, hein, tu sais, des fois tu reviens du boulot à 21h30, bah, je t'attendais, tu vas manger. Vas-y, mais en plus, t'étais venu avec des steaks que t'avais tué le bœuf, je crois. Ouais. Voilà. Pas de la mer non plus. Non, c'est de la bonne, non. Ah, il est peut-être fermier, là. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu la vie trop passée quand même. Trois quarts d'heure pour se faire à bouffer, t'abuses. Pour faire venir à 21h, pour trois quarts d'heure de route, pour être bon, c'est minimum. Je vais pas m'en remettre devant ma taille, je vais. De toute façon, faut qu'elle a. 8 étages. De toute façon, faut que Dimitri habite Elodie au restaurant, donc à Paris. Donc, Après, je disais, mais je suis d'après-midi. Oui, les planètes, oublie pas. Et du coup, il faut se faire pardonner, il y a eu trop aussi Morgane aussi. Je disais, je suis d'après-midi, hein, je suis née à 21h20, c'est pas grave, je t'attends. Oui, attendez. Demain, tu vas m'envoyer un message restaurant. Non, on va pas. Bah, c'est bien, hein. Bon, voilà, on a répondu à la question. Sauf si tu voulais partir sur des inégalités femmes. Ouais, bah c'était en fait. Je, ouais, à la. Ouais, moi, c'est stupide. Quand j'ai posé cette question-là, je m'attendais à quelque chose de plus profond dans le sujet, tu vois. Bah non, on répond à la question. J'ai juste répondu à. Ah bah. Mais non, tu connais. Non, mais lui, il dit. Tu connais la juste valeur. Bah c'est exactement ça dans. Moi, c'est une question qui concerne les femmes. Voilà, tu l'as trouvé chez la femme. Ça me semble logique qu'on réponde superficiellement. Exactement. Alors, en vrai, si on serait rentré plus dans le sujet, ça aurait duré trois quarts d'heure. Oh bah oui, c'est un truc que je fais. Mais c'était le but, hein. Ouais, bon. Alors, prochaine question. Bon, si c'est... En vrai, je pensais que c'était une vanne, cette question. Bah non. Pour provoquer... Mais oui, alors oui, c'est une forme de vanne, mais pour provoquer après... Toutes tes questions. C'est drôle, on termine un débat, mais en mode, vite, casser la gueule.